J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai encore eu des critiques, comme quoi c'est pas moi qui ai fait le chat, que j'ai décalqué. Alors, la preuve par A plus B. Le chat du livre. Le chat que j'ai fait. C'est bien la preuve que j'ai pas décalqué. Voilà. Donc, suite aux remarques désobligeantes de deux personnes, je m'en fais énormément et je suis obligée d'aller m'isoler. Oui, j'ai pas honte de le dire, je vais en clinique. Le mois prochain, je vais me vider l'esprit. J'espère y arriver. Mais moi, je ne veux plus entendre que j'ai décalqué. J'ai 4 ans de dessin publicitaire derrière moi. C'est pas pour rien qu'il y en a eu 16 de prix sur 300. Dont moi. Et je me suis pas levée tous les jours à 5 h du matin pour rentrer à plus de 19 h pour rien. Moi, je peux vous dire qu'après, j'étais épuisée. J'ai pris 2 mois de vacances et après, j'ai travaillé. Travaillé, j'ai été au chômage, j'ai fait une formation de monteuse câbleuse en électronique que j'ai eue. J'étais habilitable EDF. Donc voilà, avec 58 sur 60. Donc, qu'on vient de me dire que j'ai décalqué. Oh. Et quand bien même, les dessins, c'est pour moi. Je ne vais pas en refaire la main forcée. Non. Sur YouTube, je suis scrappeuse. Voilà. Les gens aiment les histoires croustillantes, et ben on va en rajouter. Je m'en fiche, moi, ça me fait des vues. 603 vues. On m'a dit de refaire un dessin et filmer pour faire taire les mauvaises langues. Oui, c'est moi qui ai dit que c'était des mauvaises langues. C'est de la méchanceté gratuite.
Je vais vous dire une bonne chose. J'ai envoyé 4 à 5 lots de dice à Soso de la chaîne Scrap de Soso. J'attends les miens. Je suis en ai envoyé pour plus de 16 euros. Vous savez pourquoi elle m'a bloqué? Parce qu'elle n'a pas les moyens de m'en acheter. Voilà la vraie raison. C'était bien bête de lui envoyer. Ah oui, non, mais je l'ai en travers. Vous savez ce qu'il fait? Elle photocopie les timbres. Elle fraude. Elle paye pas la taxe sur les timbres. C'est bien, non? Enfin bon. Voilà quoi. Après, c'est moi la méchante. J'ai rien fait. J'ai strictement rien fait. Disant qu'elle attend son courrier. Je suis désolée, mais c'est bon là, elle a eu assez, hein. Moi, j'attends que la vérité éclate au grand jour. Vous vous rendez compte, non seulement ils sont mal polis, plus de ça, Hérode, il s'excuse même pas. Qui m'a choqué, ils donnent du chocolat aux chiens. Ils vont les rendre aveugles. Enfin bon, c'est. Après tout, c'est leur problème, c'est pas mon problème. C'est juste des constatations.
donne pas de chocolat au chien. C'est clair qu'entre 5 et 8 ans, ils sont aveugles. Enfin bon, bref. Au lieu d'avoir 3 chiens et 36 000 chats et un cheval. Ah non, 4 chiens, parce qu'il y en a un qui est enfermé. Bête. C'est pas moi qui serais aussi vulgaire quand même. Ça fait que de gueuler. Enfin bon. Puis après, c'est elle qui joue la malheureuse parce qu'elle a pas reçu ses feutres. Je lui ai dit, attends un peu. Même pas eu un merci pour les Dyson. Rien, que dalle. Tu fais, t'as reçu mes Dyson. Bah oui, regarde, j'en fais là. Oublie. Faut que j'oublie cette méchanceté. C'est difficile. Croyez-moi, c'est difficile. Je sais pas ce qu'elle raconte sur mon dos. Encore, je saurais ce qui m'est reproché. Et dit sur moi. Ben, ça serait bien. Mais j'en sais rien.
je ne sais pas. D'où le mal que ça me fait. Donc déjà un point, je n'ai pas dit quelqu'un. Je ne suis pas tapé 4 ans de dessin publicitaire pour rien. Oui, je sais dessiner. Et alors? C'est pas le but de ma chaîne. D'ailleurs, j'ai le doigt tout jaune de peinture que j'arrive pas à enlever. Non, mais je me prépare tout doucement. Mais sûrement à aller à la clinique le mois prochain. J'aurai moins de dépenses et plus de plaisir. Et au moins, les gens qui ont des problèmes sont plus honnêtes qu'elles. C'est vrai, bien. Les gens handicapés sont plus honnêtes, plus francs, et on peut compter sur eux. Voilà ce que j'ai à dire. Parce que oui, je suis handicapée. Ça se voit pas. Enfin, ça va commencer à se voir avec ma scoliose aggravée sur la droite. Mais j'ai plus d'une maladie. Faut que je récapitule. Fibromyalgie, arthrose généralisée, scoliose aggravée sur la droite, molécules dans le cerveau qui se régulent pas toutes seules. Donc là, on joue avec mes nerfs, on joue avec mon cerveau. Donc c'est pour ça que ça va pas. C'est pour ça que j'ai besoin de changer d'air. Il va commencer à faire beau. Je vais pouvoir me faire des tours dans le parc. Et quoi? Ben, normalement, il faut. Tous les jours, je me pique parce que j'ai fait des embolies pulmonaires. À la dernière, j'ai failli y passer. Donc tout ça, tous ces problèmes-là, vous ne croyez pas que j'en ai. J'ai assez de problèmes comme ça. Donc là, chez moi, les baskets avec le dessin. Le dessin, c'est le dessin, ça m'est propre. Sur YouTube, je suis scrappeuse. Sur Instagram, j'y suis aussi. Qu'elle me bloque? Bah tant pis, qu'elle me bloque. Moi maintenant, je peux me coucher tôt. Là, j'ai fait une insomnie parce que je me suis réveillée la bouche complètement sèche et ça fait mal. Donc, il a fallu que j'attende que je boive petit peu par petit peu. D'ailleurs, je vais en reprendre parce que. Ah, c'est pas évident. Quand j'ai vu qu'on m'a dit que Soso avait raison, là, je tiens à m'excuser, mais non.
puis je ne vais pas dessiner parce que on me le demande. Le dessin, ça m'est personnel. Là, si je scrape pas, c'est que je suis pas en bon état. Pardon, en bon état. Vous savez ce que ça fait d'avoir le coccyx qui rentre à 91 degrés? D'être assise sur votre coccyx? Non, moi oui. Vous savez ce que ça veut dire que d'avoir un point dans le dos quand vous bougez vos bras, hein, à la colonne, vous avez super mal. Non, moi oui. Donc là, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que j'ai la colonne qui part en voilà. Que le soleil m'a réchauffé hier et ça a fait du bien. Mais que là, bah, c'est rebelote. Belote et rebelote. C'est pas une fois par semaine que j'ai mal, c'est tous les jours. Je vais pas m'en plaindre pour autant. J'explique les faits. J'ai le dos qui part en vrille. Si je m'accoude, c'est qu'il y a... Voilà. Là, ça va plus. Pourquoi? Parce qu'on me cherche des poux. J'ai pas de poux. Si j'ai pas envie de dessiner, j'ai pas envie de dessiner, point barre. Ça fait des années que j'ai pas dessiné. Et la première fois où je redessine, on me critique. C'est bien. Bravo. Bravo.
Ça me fait d'autant plus de mal qu'on me dise que j'ai décalqué. Est-ce que j'ai une tête à décalquer? Puis tout à l'heure, on va me dire que c'est pas normal que je sois ambidextre. Enfin bon, bref. Non, je ne sais pas écrire de la main gauche. Mais je me sers de ma main gauche. Bon, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai hâte de partir en clinique et de vous faire des vidéos quand j'ai envie. Oui, encore un démenti, encore un poil. Excusez-moi, je remets le truc comme il faut. Non, mais ça me saoule. Ça me saoule. Je croyais en avoir fini avec cette histoire. Et paf, il y en a un qui en rajoute une couche. Ça va faire monter l'audience. Bon, allez. Moi, je vous laisse là, à vos réflexions. Je vous dis à plus.